Daphné Guinness et Bernard-Henri Lévy, une relation compliquée? L'héritière laisse planer le doute. In 2011, Daphné Guinness clamait dans le magazine américain Harper's Bazaar combien elle était amoureuse de Bernard-Henri Lévy. Elle semble avoir aujourd'hui plus mesuré. L'héritière icône de mode sort son deuxième album rock. Alors que le journal Libération lui consacre un portrait, Daphné Guinness, après s'être maintes et maintes fois réinventée, semble avoir tourné une nouvelle page de sa vie délirante. En 2011, au magazine américain Harper's Bazaar, elle avait décidé d'assumer sa relation avec le philosophe Bernard-Henri Lévy, officiellement en couple avec Ariel Dombal. « J'ai essayé de rester la plus élégante possible par rapport à cette situation. Il est certain que je ne me sens pas bien avec l'idée de faire du mal à une autre personne, mais quand vous avez des sentiments profonds, vous devez décider ce qu'il y a de plus précieux et, dans ce cas, la réponse est évidente, c'est l'amour. » Pourtant, au journaliste venu l'interviewer, Daphné Guinness s'est montrée moins passionnée et a même laissé planer le doute quant à son histoire avec le philosophe en qualifiant sa situation sentimentale actuelle de « compliquée ». Dans son deuxième album, peut-être comme un message, elle chante « Tu dis que tu m'aimes, mais tu te parles à toi-même. Tu dis que tu m'aimes, mais c'est toi qui toi-même te baises. Et quand tu me regardes, tu ne vois que toi. » Crédit photo, Bagrid UK, Bestimage. Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Bernard-Henri Lévy.